Au cours de cette assemblée générale du ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre, le ministre Martin Nivyawandi a présenté les grandes réalisations pour l'année 2019. En matière de la protection sociale, le ministère a assisté les malades et ménages vulnérables. Le ministère a aussi fait la réintégration socio-économique des sinistrés, sans oublier la promotion des droits humains. Actuellement, nous pouvons nous dire qu'il y a eu des améliorations dans la situation des droits de l'homme, car le nombre de personnes retenues dans les différents cachots du pays ont sensiblement diminué. La pratique de la torture n'existe plus. Les dossiers sont traités dans les délais légaux et la propriété s'améliore. En matière de la promotion de la femme et l'égalité du genre, des programmes nationaux de renforcement des capacités économiques ont été élaborés. D'une manière générale, les activités planifiées en 2019 ont été réalisées à plus de 98%. Bien que les progrès ont été enregistrés, la mise en œuvre des activités planifiées en 2019 s'est heurtée à certaines contraintes liées aux ressources financières et matérielles insuffisantes. Au cours de cette assemblée générale, les personnels qui se sont distingués plus que les autres ont été primés par un certificat d'honneur et une enveloppe en signe d'encouragement.